Allez, salut, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc comme je vous le disais, aujourd'hui je suis là pour vous présenter une bourse, mais une bourse qui est un peu plus particulière parce que pour cette institution qui est la FAO, la FAO c'est une institution qui rend toujours qui rend des étudiants toujours heureux, voilà, chaque année, voilà, donc. C'est une institution qui aide un peu pour le travail, pour les étudiants qui ont déjà des spécialités ou bien qui travaillent déjà, ou bien même ceux qui ne travaillent pas. Voilà. Je fais cette vidéo parce que c'est une institution qui rend toujours des étudiants très heureux. Donc, j'aimerais vraiment que vous postulez à cette bourse. C'est une bourse, en même temps, un stage qui est rémunéré, c'est-à-dire qui est payé. Et une fois que, si vraiment vous êtes assidu, si vraiment vous êtes talentueux, ils peuvent vous embaucher. Voilà. Et c'est une facilité absolue pour pouvoir intégrer leur institution. Voilà, et ils sont basés en Italie, donc tout se passe là-bas en Italie pour la formation, pour le stage et tout ça. Voilà, donc pour ceux qui sont en fin de structure, qui sont en fin de stage, qui veulent vraiment adhérer à un travail ou bien qui veulent vraiment faire d'autres stages pour mieux se perfectionner, voilà, c'est des stages qui sont en même temps payés. Donc, vous n'avez pas grand chose à faire, voilà, c'est eux qui s'occupent de tout. Voilà, donc pour ceux qui veulent vraiment intégrer, voici, c'est une opportunité pour vous pour pouvoir participer à cette bourse. Voilà, donc pour pouvoir participer à cette bourse, c'est très simple. Voilà, vous devez d'abord vous devez comme ça vous abonner à leur site, voilà, ou bien vous inscrire sur leur faculté, sur leur application, et après cela, vous allez pouvoir postuler. Voilà. Mais ce que je voulais faire, c'est quoi? C'est d'abord vous dire que pour pouvoir participer à cette bourse ou bien à ce stage, il faut être âgé de 21 ans à 30 ans. Voilà. De 21 ans à 30 ans, c'est possible de postuler. Donc, n'oubliez pas, dans tout type de formation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si, par exemple, comme ça, vous faites l'hôtellerie. Voilà, et que vous voulez faire un stage payé, ou bien si vous avez déjà fait le stage et que vous voulez faire un travail, vous venez ici en tant que stagiaire, ils vont vous payer. Et lorsque vous allez partir et que ils voient la performance que vous avez, voilà, ils peuvent comme ça vous prendre pour le travail. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous d'abord, vous allez d'abord vous. Inscrit sur le site, voilà. Donc, vous inscrivez sur le site, donc, vous venez juste là et vous sélectionnez ici, c'est la langue que vous voulez, la langue anglaise, le français, voilà. Et vous cliquez sur j'accepte, j'accepte et vous y allez. Voilà. Donc, pour pouvoir postuler à cela, les diplômes ou bien les éléments que vous devez avoir, c'est justement votre diplôme, voilà, plus les certificats que vous avez. Si par exemple, vous avez fait l'hôtellerie et que vous avez eu des certificats, voilà, cela va vous aider aussi pour pouvoir quoi, à pouvoir être sélectionné. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, sont les conditions. Vous pouvez lire un peu pour voir comment est-ce que vous allez mieux vous sentir et tout ça. Et il y a aussi les documents à fournir, voilà. Mais sur la première de couverture, les documents à fournir, vous pouvez, lorsque vous allez, je vais mettre le site en description, vous allez voir sur le site les documents à fournir et tout ça. Donc ici, pour s'inscrire d'abord sur le site, vous allez venir là, vous allez choisir c'est français et vous cliquez sur j'accepte. Voilà. Et lorsque vous cliquez sur j'accepte, voici ce qui arrive, c'est ce qui est là. Vous remplissez normalement, c'est-à-dire le nom, prénom, le password. Vous remettez encore le password. Voilà. Et vous mettez votre email ici pour dire registre. Et vous cliquez sur registre. Donc lorsque vous allez cliquer, ils vont vous envoyer une notification que vous allez valider. Voilà. Et une fois que vous finissez de valider maintenant, vous allez venir ici pour pouvoir postuler en ligne. Lorsque vous finissez maintenant pour la bourse, vous allez venir là pour pouvoir postuler en ligne. Un instant que je vous montre. Une fois que vous finissez, vous allez maintenant venir là. Je vais vous montrer un peu rapidement. Je vais vous montrer un peu rapidement. Donc, une fois que vous finissez de remplir tout ça et que vous confirmez votre email, ça veut dire que vous êtes déjà enregistré sur le site. Vous allez maintenant venir ici. Je vous montre.
Et ainsi, c'est par rapport à cela que vous allez maintenant pouvoir postuler à la bourse. Voilà. Donc, ici, vous allez mettre votre... Quand vous allez finir de vous enregistrer, vous allez mettre votre email ici et votre parole là. Voilà. Et lorsque vous allez finir, je vais vous montrer vite. Un instant. Donc, lorsque vous allez finir, voilà, vous allez arriver à ce stade-là. Voilà, vous serez ici. Voilà. Et ici, vous voyez que vous allez cliquer sur postuler en ligne. Voilà, quand vous allez cliquer sur postuler en ligne, il y aura des éléments qui vont sortir. Vous allez remplir et puis voilà, vous allez postuler avec vos diplômes et tout ça. Maintenant, ici, l'offre d'emploi, c'est le 18 janvier et la date de fermeture, c'est quoi? C'est le 9 août. Voilà, excusez-moi, c'est le 9 août. Voilà. Maintenant, ici, regardez bien ce qui est écrit là pour ne pas être hors sujet. Donc ici, la FAO s'est engagée à atteindre la diversité de la main-d'œuvre en termes de genre, de nationalité, d'origine et de culture. Les candidats qualifiés, les ressortissants qualifiés de pays membres non représentés en sous ou sous-représentés et les personnes handicapées sont encouragés à postuler pour cet appel. La FAO ne tolère pas l'exploitation et les abus sexuels, aucun type, ok. Toutes les candidatures sont traitées avec la plus stricte convivialité. Donc, vous comprenez. Donc, la date limite, c'est le 9 août. Voilà. Maintenant, ici, je vais prendre ici. Les candidats inscrits à un programme de premier cycle ou études supérieures dans un établissement d'enseignement de bonne foi. Donc, ça, c'est les personnes qui peuvent postuler. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est quoi? Le candidat doit être âgé de 21 à 30 ans. C'est ce que je vous disais. Voilà. Donc, vous êtes un peu averti. Voilà. Donc, ici, les compétences à la base, focus sur les résultats, travail en équipe, communication, établir des relations efficaces et tout ça. Donc, comment s'inscrire? Vous allez voir ça. Vous pouvez lire ici. Vous postulez. Rendez-vous sur le site qui est là, de celui-là, c'est ce qu'on vient de faire. Complétez votre profil en ligne. Nous vous recommandons fortement que votre profil soit exact, complet. Donc, je récapitule, c'est quoi? Lorsque vous allez finir, ce que je vous ai montré en premier lieu, lorsque vous allez finir de vous inscrire sur le site comme ça, vous allez venir maintenant là pour cliquer sur postuler en ligne. Moi, je ne me suis pas encore inscrit, donc c'est pourquoi quand je clique sur postuler en ligne, ça me renvoie toujours ici. Vous comprenez? Ça me renvoie ici. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ils vont cliquer sur New User. Maintenant, pour ceux qui sont déjà inscrits, ils vont remplir directement ici et ils vont mettre Login. Et ils vont cliquer sur Login. Ça va les envoyer directement sur le titre de bourse à pouvoir remplir. Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas rempli. Donc, en fait, c'est une information que je voulais vous donner. Vraiment, cette opportunité donne beaucoup, fait beaucoup rêver des étudiants qui ont déjà du travail ou bien même qui veulent faire un stage et tout ça, surtout ceux qui ont le BTS, ça va vraiment vous arranger. Donc essayez de postuler et puis voilà, c'est un peu ça. Moi, je vous donne juste des informations. Donc je vais pas postuler parce que c'est très simple à le faire. Donc vous pouvez postuler maintenant si vous avez des soucis et que vous n'arrivez pas à le faire. Voilà. Vos questions, en commentaire, vous voilà, donc c'est tout.